Les gardes disent que tu rôdes autour du mur comme une vermine. Par les 10, mais qu'est-ce que tu manigances ? Tekote a dit qu'il n'enverrait pas ses candidats tant qu'ils seront en sécurité dans le rempart, n'est-ce pas ? Je m'en souviens. Alors, on va la battre. Tu t'es cogné la tête quelque part ? Je suis sérieuse. Il y a une structure de l'ancien monde coincée là-dedans, avec un noyau d'énergie. Je peux le faire sauter si j'arrive à traverser les premières couches de roches. Même si ce que tu racontes est vrai, il te faudrait un canon pour faire ça. Tout à fait. Et tu as dit que les rebelles en récupéraient sur des machines dans la vallée. Allez. Non. Je refuse de jouer un rôle dans cette farce. Et Caro t'a donné l'ordre de m'aider. Tu oserais le défier comme le fait ce crétin arrogant ? C'est une comparaison peu flatteuse. Les rebelles possèdent peut-être un camp au nord-est. Et ensuite, on va tous les affronter à nous deux ? Quelque chose comme ça, oui. J'admire ton courage. Faute de pouvoir admirer ta logique. Alors, plutôt avec tes côtés, on aurait dit qu'il y avait une certaine tension entre vous. En effet. Si par miracle, ton... Le plan fonctionne, je t'en dirai peut-être plus. Je m'en souviendrai.
On s'approche du lieu où se trouvait un groupe de rebelles. Facile. Bon, les rebelles se sont dégotés une bonne puissance de feu. Marie ? On y va ! Cette chose en a un. Mais elle ne sera pas facile à abattre. Surtout avec ça. Je m'occupe du mastodonte. Toi, tu gères les autres. On y va quand tu veux. Peut-être qu'il y a quelque chose par ici que je pourrais utiliser contre ces choses. Peut-être qu'il y a quelque chose par ici que je pourrais utiliser contre cette chose.
Mon focus peut m'aider. Préparez-vous. L'attaque va débuter. Le clan du ciel sera vaincu. Je devrais utiliser des munitions de gel. J'ai achevé cette vermine.
neige m'éblouit. La mérité. Ce sera utile pendant un combat. Ce canon.
J'ai vraiment pas hâte de transporter ce truc jusqu'au rempart. Tiens. J'ai plus qu'un bras, mais mon dos est encore solide. Après toi. Hey, tu t'es bien battu là-bas. Je ne pensais pas qu'on survivrait. Mais l'élimination des rebelles et de leurs machines, ça fait du bien d'avoir le dessus, pour une fois. Tu crois vraiment que cette chose pourra faire l'affaire ? On va vite le savoir.
descends. Le voilà.
il te faudra plus qu'un canon. Il te faut un miracle. C'est bien possible. D'accord. Je dois faire exploser quelques rochers pour accéder à la batterie. Mais j'étouffe les bouquets. Ça fonctionne! Pas explosé. Ça ne marchera jamais. Eh bien, n'est-ce pas émouvant à voir? Deux enfants qui jouent à la guerre. Vous viendrez peut-être à bout du rempart dans 10 ans. Allez, vous vous êtes assez ridiculisés. Laissez cette pauvre montagne tranquille. C'est ta dernière chance, tes côtés. Tu peux encore répondre à l'appel des carreaux. Tu n'as pas l'air de comprendre, c'est ta dernière chance. Quitte cet endroit sauvage, pars et prends l'estropie avec toi. Caché derrière ton mur, tes côtés. Tu vas devoir rejoindre Ekaro. Jamais. Jamais. Nous allons le rebâtir. Immédiatement. C'est inutile. Le rempart n'a pas pu te protéger d'un seul canon. Sans parler de toute une armée de machines. Le seul moyen de t'en sortir est de faire front commun contre Regala, avec ton chef. Tu as dit que tu n'enverrais pas de candidat. Tant que...
Le clan serait en sécurité, derrière le rempart. Envoie-les dans ce cas. À moins que ta parole n'ait aucune valeur. Allez-y. Je ne t'entends pas. Envoyez les candidats. Je suis impatient de voir les couleurs du clan du ciel dans l'arène. Beau travail, Maréchal. Que va devenir cet endroit ? Ils devront vivre sans leurs murs. Mais ce sera mieux que de vivre à l'écart, et à devoir subir les manigances de tes côtés. Si tu veux savoir ce qu'il en est, parle à Jera, la chapelaine de ce clan. Si quelqu'un a besoin d'aide, elle le saura. Bon. Peut-être, alors. Alors je vais te laisser. Je dois faire mon rapport à Ekaro. On se retrouve au Coolroute. Tant mieux. Là-bas, il nous faudra encore un autre miracle. Je devrais peut-être aller là-haut pour voir si tout le monde va bien. Et pour trouver cette chapelaine, Jera.